suis Éric Muraille, je suis biologiste, immunologiste, maître de recherche au Fonds de la recherche scientifique et je réalise cette vidéo pour vous informer à propos de la campagne de vaccination. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien avec l'industrie ou avec une quelconque entreprise privée. Alors là, vitesse de développement des vaccins. Si on regarde les vaccins, par exemple, qui ont été produits entre 2000 et 2019 aux États-Unis, en moyenne, il fallait approximativement 8 ans pour produire un vaccin. Donc il est tout à fait normal de s'étonner et peut-être également de s'inquiéter de la vitesse à laquelle les vaccins contre le Covid-19 ont été produits. Tout d'abord, il faut préciser que nous avons beaucoup progressé en matière de vaccination ces 10-20 dernières années. On a beaucoup progressé en génie génétique, on a beaucoup progressé dans la compréhension de la réponse immunitaire et toute une série de technologies en fait étaient à maturation, notamment la technologie qui est utilisée pour les vaccins ARN ou pour les vaccins à vecteur viral. Ensuite, la stratégie de financement du développement de ces vaccins a été très originale. Donc on a très rapidement utilisé toutes les techniques disponibles sans le moindre a priori. Donc sans sélectionner les plus efficaces par des expériences. Donc on a zappé cette étape et on a directement utilisé toutes les techniques en parallèle pour essayer de développer des vaccins contre le Covid-19. Ce qui est également très très original, c'est que toutes les étapes de test, donc test chez l'animal, test à l'aide d'études cliniques chez l'humain, ont été réalisées en continu sans attendre en fait le résultat de la phase précédente. Et on a également directement lancé la production de masse de ces vaccins sans attendre la confirmation de leur efficacité. Donc cette stratégie a permis de gagner énormément de temps. Il y a également eu un investissement massif au niveau des États. Donc le gouvernement américain, par exemple, a investi 18 milliards de dollars dans le financement des vaccins rien que pour les États-Unis. Donc ce qui a considérablement accéléré le processus. Enfin, je tiens à préciser que nous avons eu beaucoup de chance. Donc il y a énormément d'agents pathogènes contre lesquels nous essayons de développer des vaccins depuis plusieurs décennies. On peut citer par exemple le vaccin contre la malaria, améliorer le vaccin contre la tuberculose ou le vaccin contre le HIV. Pratiquement tous ces agents pathogènes disposent de mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire. Dans le cas du SARS-CoV-2, nous avons eu beaucoup de chance, ce virus ne présente pas ces mécanismes et donc ça a de nouveau considérablement accéléré le développement des vaccins.